Est-ce que tu crois que vraiment le dialogue avec les gens qui pensent complètement différemment, que le dialogue au théâtre est possible? Et comment le faire? Moi, je pense toujours que c'est possible. Moi, j'aime beaucoup l'idée que le théâtre, c'est une rencontre avec la ville. C'est un homme qui est né pour la ville, dans la ville, dans un système d'ouverture, si tu veux. Je pense que nous, en tant qu'artistes, il faut faire attention à, comment dire, à s'enfermer dans une communauté protégée, etc. Je pense qu'il faut toujours rester ouvert. Je pense que la première forme de dialogue, c'est l'œuvre en soi-même. Oui, on peut certainement trouver des occasions de rencontres, de débats, de discussions et tout ça. Mais moi, j'ai noté que de l'autre côté, moi, j'ai essayé, hein, j'ai essayé d'ouvrir, comment dire, une table de discussion avec eux. Mais il y avait toujours un refus, donc a priori. Ça, c'est la chose inquiétante. Ça, c'est la chose inquiétante, parce que c'est quelque chose qui est au-delà du logos, au-delà de la parole. Donc, il y a un jugement a priori. Et donc, ça, il s'agit d'un véritable censure. C'est pour ça que c'est extrêmement dur. Faut trouver des occasions de rencontre, oui, bien sûr, mais sans, comment dire, avoir de faire des concessions sur le plan artistique. Ça, je pense jamais, jamais, jamais. Il faut être, voilà, ferme, madame, il faut être, comment dire, plutôt froid, je dirais, dans la conception du travail, pour être, comment dire, submergé d'émotions, de l'état émotif. Oui, il faut prendre toujours une distance avec tout ça. Par contre, voilà, moi, j'aime beaucoup l'idée que c'est un lieu ouvert à la ville. Et donc, oui, il faut multiplier les occasions de discussion. Ça, oui. Et après, il faut voir quelle est la réaction entre guillemets, des ennemis. Parce que parfois, ils refusent. Mais à ce point-là, il n'y a aucune chose à faire. S'ils refusent, il y a très peu de choses à faire. Donc, voilà. La dernière question, la responsabilité de l'artiste, c'est quoi? La responsabilité de l'artiste, c'est d'inventer un système pour faire rebondir la responsabilité sur le spectateur. Je pense que la responsabilité de l'artiste doit s'arrêter au moment où on ouvre les rideaux. Après, c'est comme un devoir, doit devenir la responsabilité directe du spectateur, donc responsable de son propre regard. Donc, regarder, ça veut dire choisir. Choisir, ça veut dire avoir une conscience. Donc, ça, on est déjà dans la politique, si vous voulez. Ce n'est pas le sujet qui est politique, c'est l'acte de regarder au théâtre, que c'est probablement une des racines de la politique. C'est pas par hasard que la tragédie est née dans la ville pour la ville. Donc voilà, je pense que la responsabilité de l'artiste, c'est de donner la responsabilité à des autres.